Kanje di mumeso magwe Ke yuku panangolo zingwe Ndozi ziku ndote sanga Ziku panangolo kwikilwe Kudi monanga kumeso mtima Kufuku zukange Shikula omoyo zela hulu Mono mono kudini yengame Onzambia pungo kutulolo kanga sumoke Mbayu kambio mtima kunga wakadia pemba bele bele Fide keno mono penkwetu Ngudi wandute Shikula omoyo zela hulu Mono mono kudini yengame Ngamono idini yengene Bye.
Mbote, ebe mudutala una tutondele. Kambote diaka, ebe mudutala una tutondele. Ndinga, ndinga. La technologie aqui no studio tá falha mais. Kambote. Bienvenue. On va apprendre la langue de nos ancêtres. C'est notre langue, ce qui Congo. On va apprendre notre langue. Muito obrigado. Tukunda makonzo. Nengwa matomo katoko, nengwa makese. Gizambote. On fait la makonzo pour le. C'est pour maman, c'est pour nos mamans seulement, pour nos sœurs. Nengwa makese, nengwa matomo. Vous savez que les femmes, hein, as mulheres, souffrent muito, né? Les femmes, elles se sacrifient beaucoup, hein? Bem-vindes, sejam bem-vindes. Ok, tout en délai. Je vais chanter. Il y a longtemps que j'ai chanté ce chant-là. Ouais, je vais essayer. On est prêt pour prendre une note? Ok. Mfumu mutemwa kiampwena tubuku mukinanga omavuku mangolo beni muyanga malungidi. C'est à dire ma vuku ma onso enzaza melanganga enzaza sezala yomaza nanga tu se fwa tu fwa. Je vais répéter, hein, et puis je vais chanter le refrain, mais faut pas, c'est pas important de prendre note quand je vais chanter le refrain. Et nous, absolument, nous avons quand on veut canter le refrain. Parce que vous pouvez voir le public qui est en vie, gauche en vie, au mot du refrain. Deux choses comme ça. C'est une. Ok, on va répéter. Hein. Je veux chanter de nouveau, vous canter de nouveau. Mfumu mutemwa kiampwena tubuku mukinanga omavuku mangolo beni muyanga malungidi. C'est à dire ma vuku ma onso enzaza melanganga enzaza sezala yomaza nanga tu se fwa tu fwa. Etembwa kwa mbono ile voka kalepi yoventita za mawuku mambu yovo zankwia za wantumpe yo konsonda zakalanga o mazake malendi yolangako ya onso kwa mono ile mvoka kalepi kalepi ya onso kwa mono ile Boka Kalepi. Alguém gostou aqui no estúdio? Tutondele. Ok. Tata Vasco, o que que escreveu? Que sono aqui no Tata? Enfim. Tá? Tá perfeito?
Mfumu mutemba kya mpe mpwena omavuku mungolo beni enzaza zeza yamaza nanase afwa tufwa omaza ke zakedi yolangako Tout en dehors. Tout bon. Très bien. Mais moi, tout le monde a été ce que ça nous vient quand mais nous savons. Não apanhei quase nada aqui. Você vê que Congo não está nada fácil. Peguei em fumo Monteno. Tuboki. Depois apanhei Longo Beni. Omavoko. Isso só isso que apanhei. Tá bom. Basicamente, estamos aprendendo aqui Congo. Vocês estão avançados. Nós estamos tentando aprender de Congo e vous apprenez bien. Parce que quand je chante, quelqu'un chante du Congo, vous comprenez, non, ça c'est du Congo, tu vois. C'est pas Kilouba, c'est pas Ganguer. C'est pas déjà. C'est pas Ganguer. Et on passe déjà. Appelez-moi, je savais qu'il y a. C'est qui a. Quelqu'un t'a canté du Congo. Et moi, ma question, c'est. Você que está aí, onde? Bom, o monossone que, né? A primeira pessoa, nasal, né? Monossone que, né? Em fumo, mutana, quam beni. Depois, Malu Beni, pois Zenzanza, Zenza Yamaza, Muyanga, Maludidi, pois Setatidi, Maonso, e Tambua Ko. Pois aí invoca qualquer coisa. Não sei se falou o quê, mas foi o que eu falei. Não, mas é bom. Escreveu aquilo que você entendeu, é bom. Tá tambala kuna Canadá. É, monossônico, né? Atenção, na primeira pessoa, não vou me aquecer, não vou falar aqui no público. Mas... O público está te ouvindo, o público não dá, porque a primeira pessoa. Vamos começar a puxar sempre. Aurélia, está nem como é que é? Está tambala, desculpa, pode falar. Ok, monossone que né, é como mutemboa que ampuena, e a sone que né diaca, mavuku mangola beni. Muyanga Kalumbi. Setadi Mavuku Mawonso. Enzaza Setayemaza. Obrigado, tudo onde? Tata Kitusissa. Mononsone Kene. Emfumu mutembwa kya mpwena tubuku minanga muyanga malungidi enzaza melanganga nanga sefwa tufwa nanga tu sefwa tufwa. Très bien, muito bom. Je vais lire, hein. Mfumu mutembwa kya mpwena. Mutembwa kya mpwena. Tubuku mukinanga. Oma mavuku mangolo beni, mebeni. Muyanga malungidi. Setadi mavuku maonso. Enzaza melanganga.
Enzaza sezala yo maza nango tu se fois tu fois. Qui va traduire? Qui va traduire? On fumu mutembo gampoena. Tembo ten tata conserves. Oh, ndinga, tata kitu hisa, mfumu mutembo wa kiampuena. Mfumu, dis-moi mfumu. Tu connais mfumu? Chef. Bon, seigneur donc. Seigneur. Tata Mashku, la première ligne, mfumu mutembo wa kiampuena. Est-ce un thème que nous pouvons... Je ne vois pas ce que ça veut dire. Kampoena, notre chef de grand amour. Tembo, Tembo, pour ça, tu dis. Tembo est vent. Tembo, c'est le vent. T'as dit ça? Hein? Tembo, c'est le vent. Ouais. Maintenant, à toi, maintenant, t'as ta vache. Quand on se dit, quand on dit Tembo, Kampoena, c'est quoi alors? Ah, la tempête forte. Ah, la tempestade. Tembo gango, tembo gango poena. Poena c'est grand, c'est grand, grand. Et pour tembo gango poena. Ok, bukumuka. Bukumuka c'est le verbe. Tu bukumukinanga. Bukumuka. Bukumuka c'est. Qui sait? Tu te montres. Bukumuka, tatambala, bukumuka. Bukumuka, destruir. Pardon, n'entendi. Destruir, bukumuka. Si, naquela linha. Bukumuka, dinga. Bukumuka, Nengoma Kese. Ok, votre tata. Que tu sais, Bukumuka? Oui, j'ai vu là, c'est détruire, être détruit. Tu as le dictionnaire? Ah, c'est bon. Dans ce sens, c'est bien ça. C'est le dictionnaire anglais ça? Non, c'est autre chose. Ok, d'accord. Bukumuka, donc, tu Bukumuka, tu Bukumukinanga. Donc, se mourir en masse, hein. Donc, disons, ce cas, c'est noyé, hein, tout le monde. Mourir en masse, hein. Mavuku Mangolo Beni. Mavuku. C'est Mavuku. Violence. La violence, hein. Agitation. Mavuku. Ok, ça, il faut traduire, hein. Surtout vous qui êtes à Luanda. Muyanga malungidi. Ah, oui. Yanga et quel? Nas montagnes. Yanga est un bairro là en Luanda. Vous savez, nous savons. Yanga. Mayanga, então je sais. Et Mayanga, si. Aquel Mayanga qui est muito de la gauche. Não. E lá lagoas nos tempos não sei mais falar bem. Aquela área é pronto, não vou falar política. Mayanga. É isso, Yanga, quer dizer. Então na lagoa, né? Lagoa ou. Pronto, vamos nesse contexto de lagoa, vamos falar de lagoa. Você está de Mavuco Maonso, quer dizer, muita. Você está comprando Yanga, você. Lac. La violence? Non, la go. Lac, non, c'est lac. Ouais, lac. Ah, lac, oui. Ouais, lac. Ouais. T'as qui? Yanga, Mayanga, beaucoup de Yanga, beaucoup de Yanga, moins de Yanga. T'as dit, n'est-ce pas? Quand vous êtes.
tu vas subir quelle avenue d'Antoine Barros, vous avez Mayanga, non? Eu vivo em aqui na Mayanga. Pronto. Já tá pensando? Sim. Mas Yanga também não é tipo lá em cima? Yanda é embaixo, né? Yanda. Depende da... Yanga, neste caso, né? Yanga é... Lagoa. Nzaza me langanga, nzaza, nzaza, ok, tempo andou, nzaza. Nzaza, navio. Ah, muito bom. Te traduz para o papai que disse, super. Nzaza, c'est le bateau, hein? D'accord. Le bateau. Langa, aqui temos langa. Langa quer dizer o quê? Não me batata. Como? Batata. 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 Langa. Ah, não, tem. Langa é batata. Langa. Não, não, sim, 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 tem, 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 tem uma não, langa, batata, ou... não há tão outro pumpkin, como se diz? Pumpkin. Abóbora. Yeah, quer dizer, pode dizer também, depende da região, mas langa aqui, ele quer dizer enzaza me langanga. Langa aqui, se langa aqui é lago. Quando ele diz enzaza me langa, il y a beaucoup de... Je pourrais chanter de nouveau, on n'a plus le temps, mais c'était les disciples qui se plaignaient, ils avaient peur hein, de noyer. Alors ils chantent, ils disent que, le temps disait que dans Agua, Akuta Funda, que c'est Langa, Langa, le verbe est Afunda, que c'est noyé, hein, c'est noyé, Langa, noyé. Le bateau. Le bateau s'est noyé, disons. Ah, ok. Ok. Yanda, un bâche, hein. Tand Yanda. Tada. Tu donnes un doigt d'elle. Comme disait Mana Marie. Tamo, tata, bâche, hein. Donc, en haut, c'est. On a tand, hein. Tata, c'est ça. En bas, c'est. Yanda, donc. Quand nos frères Batandu, donc ce sont les gens qui vivent sur le colline, le montagne. Nos frères Batandu. Voilà. Nzaza, retenez, Nzaza c'est bateau. Hein? Tome nota, Nzaza est navire, une barque. Ok, ultima, la dernière ligne est très facile à traduire. Nanga, nanga tous ces. Soit tout froid. Linga. Est-ce qu'on veut jamais mourir? Qui va traduire pour papa de César? Qu'est-ce que tu ajoutes, traduit? Peut-être qu'on va mourir. On va se noyer, voilà, tout tourne de l'air. Ok. 11, vamos aprender. Avant que je continue, pergunte une question. Qui caille? Vous voyez revenir hein? Toujours. Qui caille, c'est quoi? Qui caille? É o canda. Qui caille, canda do pai, né? Não, não, da mãe. Cai. Começaste bem, mas vira do outro lado. É alguma coisa do pai e da mãe, mas não é canda, é? Pai, é o canda. Não, não é canda, é? É... Kisse do pai ou da mãe. Kisse, yeah. Kisse. Kisse do pai e da mãe. Então, é que você sabe, que cai. Que cai, se... Le kisse de papai ou de mamãe, não, que cai. Alors,
Question, on est en direct, les gens vous voient maintenant, hein? On est en train de vous suivre. Hein? Tu vois, la Kaka, donc Amad, c'est difficile de dire. La Kaka en rouge, quand je dis c'est ma grande fille, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce, quand on dit que Camille avait mis la nez, et a mis un net, comment vous expliquez ça? Intéressant Bakongo. Et c'est la civilisation Bakongo, c'est ça la civilisation Bakongo, hein? Avant l'arrivée de Diogo Kan, nos ancêtres, hein? Ça, on connaissait la science, hein? Ils étaient vraiment calés, hein? Nengwa, ok, c'est. Avant que tu aies un vermel, tu as mis un vermel. Et mis en net, mais j'ai mis en net en intéressant le Congo. Comment vous expliquez équation, c'est une équation. Qu'est-ce que c'est ça? Quand je dis que la Kaga en rouge, c'est ma grand-fille, hein? Comment est-ce que vous expliquez ça? Parce que vous avez le même Kanda. Ma grand-fille. Attends, vous allez comprendre maintenant. L'autre Kaka, c'est ma soeur. Et toi, tu disais, à Kaka, Vermelia, et mis en net. Et moi, je mis en net, intéressant, ma con. Qu'est-ce que c'est, Tata? Parce que. Non, Tata. C'est un de ce que veut dire un tecle. Je mets une tecle, mais je vais vous expliquer ça. Hein? Ok. Quand le match va lui matadi de chez Angola, Mangwana, quand chez Angola, il faut en canter. Est-ce que 1976, il faut en canter nos Ouïs. Elle est comme ça au conseil disque ou elle dit que ou matadidi est-ce que matadidi est mieux à vote tout la gente mato serait au jour venu ça marche vous êtes en quoi de la même manière de comment qu'elle va se tout à vous attends on va changer de son introduction ouais en fait il y a un chanteur en Angola il est allé chanter dans une province qui s'appelle Luis. Eh bien, il a dit qu'un autre chanteur qui s'appelle Matadid, c'était son grand-père. Alors, on lui a dit, mais comment est-il possible qu'il soit ton grand-père si vous avez pratiquement le même âge? Voilà. Ok. Alors, je vais expliquer vite, on n'a plus le temps. Mais vous savez, quand vous il répondait, vous ajoutez, je vais vous aider, mais vous allez comprendre, vous allez expliquer. Au meu mon kikai. Donc, la maman en rouge, hein, la Kaka en rouge, je dis que c'est ma grand-fille parce que je suis. Mon Kanda, c'est son Kikai. Vous comprenez, hein? Vous comprenez? Vous entendez? Kikai d'elle, mon Kanda, est ok, la chambre de Kikai. Ça va? Laissons nous niveau de Kikai, hein? Son Kaga. Donc je disais tout à l'heure que mon Kanda, c'est son Kikai, tu vois. Donc pour elle, moi je suis grand, disons, grand-père, à cause de mon Kanda. Ça va, c'est compris? Entendez là, non? C'est un vache, comme. I'm confused. Vous vous rappelez de le chat là que vous avez montré la fois, je vous ai montré la fois passée. Si quelqu'un est qui votre Gikai, cela veut dire que le qui c'est de votre père. Donc le nom de qui c'est de votre père, tout ce qui appartient
ce Kanda-là, c'est votre Kikai, tu vois. Moi, je suis, je suis son Kikai, donc elle est ma grande-fille. Ok, de l'autre côté, alors, maintenant, c'est facile à comprendre. Vous avez bien compris, hein? Il a du mal à comprendre, mais on a fait le chat la fois passée. Ok. Rapidement, il faut tenter de choisir le chat. Tu as du mal à comprendre, Tatanwandele. Alors, je vais vite, vite partager le chat la fois passée qu'on avait. Tata Vasco, nous entendons ta main. Tata Vasco. Não percebi bem, não tem. Acho que eu não percebi. Estou confuso. Oh. Acho que eu não percebi. Não quero. Ok, attends. Tata, tu as compris, hein? Non? Un peu, ouais. Un peu, oh là là. Ok, attends, je vais partager. Vous allez bien comprendre maintenant, on a appris ça là. Faut passer. Et voilà. Tatandouandele. Maintenant, vous allez comprendre, hein, et il faut comprendre. Hein? Il faut comprendre. Ok. Thank you, chat. Agora vai se entender, né? A Kaka avait mis la grand-mère en rouge. Hein? La grand-mère rouge, elle est ici. Donc moi, je suis Kinlongo. Tu vois, elle est ici. Elle est le Kinsembo Yalanganga. Pour elle, le Kinlongo, c'est son Gikai. Ça va être la tête vache. Ça, c'est la science de Bakongo. Quand vous dites que. On est en direct, je ne vais pas beaucoup parler sinon. Tatan Douane, vous suivez, hein? Tu vas comprendre, tu dois comprendre d'ailleurs, il faut que tu comprennes. Ça va, t'es la vache? Ça va, hein? Ouais. Donc, ça c'est justement. C'est elle, hein? Justement, changer le nom, hein? C'est elle. En rouge, hein? Elle s'appelle Kagansenga, non, c'est écrit d'ailleurs. Elle est ici. Moi, je suis. Où suis-je? Moi, je suis quelque part là. Donc. Attends, peu importe. Hein? Parce que si vous êtes Kinlungu, même si vous êtes petit-fils de Kinlungu, vous êtes ici. Vous êtes toujours Gikai de celle-là. Ça va? Hein? C'est bon, hein? Ça va, t'as la guise, ça? T'as un bal, entendez? N'est-ce pas, qu'est-ce que c'est? Ma télé, tem que se répéter várias vezes, né? Ma télé, tem que se répéter várias vezes. Que répéter pour nous rendre. Digo repetir aqui, né? Repetir várias vezes aqui na mente, que é para poder perceber melhor o que cai, né? Ginkai, você falou bem, né? Ginkai é o que se é do pai e da mãe. Agora, eu estou a dizer, a avó que está aí no vermelho, né? É a minha neta. Ela é tua que, neta. Mudei o nome. Ela é Nsenga. Ela, Ginkai, ela é tua neta. Quer dizer que ela está na linhagem. Ela está na linhagem, né? Vem da origem da parte. Como é que eu vou dizer? Da parte da. Da mãe do pai, né? Exato. Quer dizer, que cai dela é essa aqui, Kinlongo. Todo mundo, todos os que são de Kanda Kinlongo, são avós perante ela, tá vendo? Tá bom, né? Ok. Ok. Tata Vasco, entendido? Tata Nduandele, tu já compreendeu? Tata Nduandele, você sabe a ciência do Congo, hein? Pour nos avos, nos ancêtres, tatakissos. Tu vois? Ça vient de loin, ça. Hein? Faut pas dire qu'on nous a civilisés. Non. Arrête. C'est ça la science, non? Non. Ok.
Je m'arrête là parce qu'on est en direct. Ta bonne, hein? On va répéter ça. Mais vite, vite, on va. I'm confused. I missed two classes. So I'm just. Oh, super. That's all right. I can't blame you. I'm trying to catch up. Okay. Okay, aujourd'hui, on va prendre le mariage du Congo, hein? Voilà, j'ai perdu mon. Oh là là, c'est compliqué, ça attend. Yeah, c'est divin, c'est divin là, nous séguir, nous t'obligade. C'est à cause quand c'est des gigas, puis ça peut. Comment ça? Est-ce que vous. Vê se bem ali. Aumenta mais um bocadinho as letras, estão muito pequenas. Ok. Eu vou buscar meu. Vou buscar o meu PDF, porque ele não gosta de confusão. Esse é melhor. É melhor, não é o que ser. É melhor? É melhor? Tá melhor. Tá melhor. É tudo tom dele. Tu yanga lele. Ok, Nengo Makese, não sei, Nengo Makese, dá para ler, esse é o processo de casamento Bakongo, né? Ça, c'est le mariage coutumier Bakongo, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ok, nous, c'est un membre de la... Ok. Ok, nós chamamos alambamento, o dia, normalmente é casamento. Bacana. Alambamento. Pronto. Uhum. Assim tá bom. Tá, é para ler qual parte? No início, uhum. O primeiro canda e alongo. Uhum, exato, porque tá, essa é a primeira etapa, né? Encanda ao longo, quer dizer, cada pedido. Lê só aquela caixa aí, faz favor. Ok. Canda e alongo. Nunca se deve enviar um envelope vazio para o sogro do seu filho. Portanto, o dinheiro deve ser incluído no envelope. Você decide o valor a ser enviado. Note bem, você é livre de adicionar uma grade de cerveja ou refrigerante. Uma caixa, né? Com 24 garrafas e uma garrafa de whisky, John Walker. Yeah, uhum. Então, deixa eu vou só passar para Tata. Tata, quer dizer, tu peux ler ça là, Nkandawa Longo. Pardon, c'est mal écrit, hein? Nkandawa Longo, non Longo, n'est pas de. Longo. L-O-N. Ndinga, t'as dit ça. C'est bon? Voilà. Ah. Vous ne devez jamais envoyer une enveloppe vide au beau-père de votre fils. Par conséquent, l'argent doit être inclus dans l'enveloppe. Vous décidez du montant à envoyer. Vous êtes libre d'ajouter un casier de bière ou la boisson sucrée. Un casier de 24 bouteilles et une bouteille de whisky. Ah, voilà. Ok, ça c'est la première étape. Hein? La deuxième là, on est. Peut-être que ça continue à lire, s'il te plaît. Bon. L'Andakanda, donc officialisation du fiancé. Ah. Vous ne devez jamais entrer dans l'enceinte du beau-père de votre fils, main vide. Par conséquent, vous devez donner le premier casier de bière pour pouvoir entrer dans l'enceinte.
Kotelo Kulumbu. Kotelo Kulumbu, voilà, très bien. Ah. Tu comprends, non? Kotelo, c'est entrée. Hein? Kotelo, entrée, ouais. Hein. Lumbu, c'est. C'est la maison. Ouais, Lupango, donc. Lumbu, ouais. On veut dire Lupango, voilà. Ou Kintal. Vous devez. Dans la cour, hein. Voilà. Ah. Vous devez acheter une licence pour avoir la permission de parler au beau-père de votre fils. Par conséquent, vous devez donner le deuxième casier de bière. Vous devez donner le troisième casier de bière pour Mwangu Matoko. En donnant le troisième casier, vous annoncez à tous les jeunes hommes qui habitent le quartier que la fille est à vous. Lors de la rencontre, le père du fiancé se verra remettre la liste Nkolomia Longo par le père de la fiancée. Les objets seront apportés à l'événement principal qui est le jour du Longo. Le père du fiancé a le droit de négocier les objets demandés sur la liste s'il pense que c'est trop cher avant de quitter la maison du père de la fiancée. Par contre, il faut remonter l'écran parce que là, c'est... Ah, ça paraît pas. Ouais. Alors, attention. Un instant. Ça va maintenant? Ah. C'est encore plus petit. Hein. Ah, attends, mais c'est bon. Ça va? Il faut monter. Ouais. Ouais. Avant de quitter l'enceinte... Vous devez donner un quatrième casier de bière à la famille du beau-père de votre fils pour lui dire au revoir. Ça va être mon Congo. Hein. Alors, la dernière, longue, le jour du mariage. Hein. Non, tu peux remettre comme c'était. Ça va comme ça? Bon, c'est vrai, ouais, c'est bon. Ouais, longue, du mariage, donc. Le père de la fiancée n'est pas autorisé à recevoir les accessoires de la dot. S'il n'est pas traditionnellement Nkamalongo, marié à la mère de la fiancée, les oncles maternels recevront les objets à sa place. Les trois étapes peuvent aussi être rarement réduites à deux étapes, la deuxième et la troisième étant combinées en une seule, un processus connu sous le nom de Bubanata. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais, Bubanata. Bubanata. À condition que le marié soit musclé financièrement. Ah, merci beaucoup. Vamos ler português aqui para entender como é que é. Basicamente, quando se diz alimbamento é isso aqui, essa coisa aqui, encolomia longo, tá vendo? Alimbamento. Mas nós confundimos as palavras, isso é normal, né? Mas o que nós fizemos, o que nós chamamos de alimbamento, é nosso casamento, tá vendo? Antes da chegada do português, é o nosso casamento, o casamento do Congo. Se você foi à igreja se casar, não se casou tradicionalmente, você cometeu pecado. Não sabiam disso? Porque o casamento é assunto da família, não da igreja. Na Bíblia, os apóstolos não celebravam. Em nenhum lugar você vai ver. Não celebravam o casamento. Até Jesus, quando foi ao casamento, foi numa casa, né? Não foi numa sinagoga. Até dava um gol, né? Veja no Antigo Testamento que uau, quando é que eu tomo outro? Uau. Você consulta no Antigo Testamento os sacerdotes, o casamento não era assunto, quer dizer, não era o trabalho deles, né? Não, quer dizer, não ministravam, não celebravam casamento. Está aí na Bíblia, pronto. A Bíblia está open para toda a gente ler. Jacob, para casar, foi ter com o tio dele. Ah, isso é problema da família, não é? O pastor também, quando se casou, o teu pastor, tinha, se não fez, devia fazer casamento tradicional, tá vendo? Porque aqui no mundo, na terra... Eu disse aquela vez, temos três autoridades. Temos a família, o Estado e a Igreja. Teta Vasco, ajuda só para a tradução. Do mundo, on a la família, l'État e l'Église.
Voilà. C'est la question. Je disais, il faut premièrement se marier au niveau de la famille. Hein. Le mariage, c'est d'abord la famille, ce n'est pas l'église, ce n'est pas ton pasteur. Bien sûr, tu vas à l'église parce que tu es chrétien, c'est bien, il faut bénir ton mariage, mais premièrement, c'est la famille, parce que c'est le Dieu lui-même qui a dit que sur la terre, on a trois autorités, on a la famille, l'État et l'église, bien sûr. Ça va continuer, hein? Ingeta, tata. Tu tondes. T'as qui, Landa? Sim. Landa Kanda. Primeiro, do Novo Dia. Sim. Primeiro, não ou nunca se deve entrar no quintal do sogro do seu filho de mãos vazias. Portanto, deve entregar a primeira grade de cerveja para poder entrar no quintal. Kotelo Kulumbo. Você tem que comprar. Yeah. Você tem que comprar uma licença para ter permissão e poder falar com o sogro do seu filho. Portanto, você deve entregar a segunda grade de cerveja, nessa altura. Tens que dar a terceira grade de cerveja para Mwangu Matoko. Ao dar a terceira grade de cerveja, você anuncia a todos os jovens que moram no bairro que a moça é sua. Segundo, durante a reunião, o pai do noivo receberá a lista de um colomialongo da mão do pai da noiva. Os artigos serão traduzidos para o evento principal, que é o dia do longo. O pai do noivo tem o direito de negociar os artigos solicitados na lista, se achar muito caro, antes de sair da casa do pai da noiva. Terceiro, antes de sair do quintal, você deve dar uma carta ou grade de cerveja para a família do sogro do seu filho, para dizer adeus. Tudo onde vous avez compris, hein? Entenderam, né? Yeah. Não, moi je vous demande, parce que je pose la question parce que c'est vous qui êtes le Bakongo. Le prochain mois, c'est Tata qui dit ça, c'est vous. Vous avez fait le Makondo, hein? Pour la prochaine génération, tu vois. Ils ne sont pas coupables. Nos parents, n'écrivez pas, c'est pas de leur faute. Mais maintenant, nous, on est en train d'écrire. Je vous ai envoyé ça sur, par email, non? Il faut garder ça. Tata, n'est-ce pas ma cache? La última cache? Longo, Octave, Longo é o dia do casamento tradicional. É o que a gente chama alembamento, mas não é alembamento. Alembamento é em Colômbia Longo. Consulta o dicionário que temos aí. Bom dicionário do papai do doutor. Doutor Cobb. Ok. Ok, Longo. O pai da noiva não pode receber os acessórios do dote se ele não for tradicionalmente um camalongo, casado com a mãe da noiva. Os tios maternos receberão no lugar dele. Note, as três etapas também podem raramente ser reduzidas a duas etapas, sendo a segunda e a terceira combinadas em uma. Processo conhecido como buba nata. Desde que o noivo tenha força financeira mais do que o suficiente. Tudo onde ele... Você compreende a questão? Se tua filha se marie, que tu ne sais jamais marié avec sa maman au niveau traditionnel, tu n'as pas donné le camalongo. Le jour où ta fille se marie, ce sont ses oncles maternels qui recevront le camalongo. Ce n'est pas toi le papa. Yes. Et ça l'aide du Bakongo. Nous non queremos que non brigamos nada ninguém, né? Mas quand nous t'attendons, ça va. Vous êtes strict, hein, les Bakongo. Vous êtes vraiment strict. Hein. Ah, tu es toi aussi, non? Tu es mon commentaire.
Nous accueillons la somme moustode de Bouba Nata. Yeah! Bon. Mas eu pensava que o Bouba Nata fosse. É o sim, que era o. Eu também. Mas. Como? Ah, é? Entendi. Eu julgava que o Bouba Nata fosse a forma mais. Quer dizer, a forma normal de agir para essas situações de alambamento. Ma question vient de dire qu'elle pensait que l'option du Bouba Nata était la forme normale de faire le mariage. D'ailleurs, moi aussi. Ouais, bon. Maintenant, c'est la norme, hein? Parce que. Malgré on a écrit que c'est cher à faire Bouba Nata, mais beaucoup de gens préfèrent faire Bouba Nata. Moi, t'as dit, je préfère faire Bouba Nata, faire tout de ma veste. Mais parce que le Landankanda, c'est seulement deux familles, hein? C'est la famille, papa et maman, c'est les oncles, pas les amis, hein. Mais le jour de mariage traditionnel, le jour de longo, on invite tout le monde. Mais maintenant, ce Bouba Nata, on fait tout. Bon, on fait tout à la fois. Nos mamans, ça devient la norme. Hein? Que ton sa norme, hein? Bouba Nata. Mais vous savez ce que c'est le Bouba Nata? Vous comprenez Bouba Nata, qu'est-ce que cela veut dire? L'étymologie du mot Bouba Nata. Nata, c'est donner, non? Pardon? Non, Deva. Emmener. Mmh. Ah oui. Bouba, c'est. Bouba, c'est pas quand tu vois dans. Boubanzimbo, non? Et Boubanzimbo. Bouba, c'est faire ça. Hein? Ah, oui. Non, c'est les pailles, hein? Tu vois le nom hit au village, quand on construit. C'est pas les maisons hit, disons. On utilise les pailles, n'est-ce pas? On va couper. On va couper le paille. Tu ne ramènes pas les pailles le même jour à la maison parce que c'est fraîche et tu dois laisser ça deux ou trois jours afin que ça sèche et puis ça devient léger. Hein? Tu le ramènes au village. Tu as fait le bouba, tu as coupé, tu te prêt, mais tu laisses là, ça doit sécher. Que vous savez, quand toi je parle, je dis ça là, nous maintenant, parce que depuis l'heure, leva dois dias depois, fica leve, seca. Então, Bouba Nata quer dizer o processo faz tudo de uma vez. Estão percebendo, né? Mal que cortou, leva, mas fica pesado, não? Eu dizia, tu fez tudo à la fois, tu as coupé, e puis tu n'attends pas que ça sèche, tu ramènes au village. C'est lourd, hein? Tu vois? Mm-hmm. C'est lourd, donc le pas, ça va peser beaucoup. Tout en délai. On va dire vite. Pardon? Não, porque percebi assim, porque as pessoas não esperavam. As outras etapas, né? Traziam já tudo de uma vez no dia do alambamento. Né? Dizer, pronto, eu estou preparado, eu posso. Está, né? Aqui tudo. Todas as etapas eram puladas já a partir do alambamento. Mas você deve saber que o que nós chamamos de alambamento, eu estou tentando de repetir, porque les mots se transformam avec le temps. Hein? C'est comme, tu vois. Avec le temps, la signification change, le sens change. L'embamento, c'est ça, l'encama longo, colomia longo, hein? Les accessoires de la dot, voilà. Mais nous, quand on dit l'embamento, le bakongo, c'est ça notre mariage, tu vois. Normalement, tu peux ramener, tu vas avec ta femme à la maison, hein? Si tu n'es pas chrétien, hein? Tu vas pas à l'église, tu es libre, c'est ta femme d'ailleurs. Tous ceux qui se sont mariés traditionnellement devant Dieu sont mariés. Donc, ce qu'on se dit comme les mariés, indépendamment de leur nation, de nationalité, s'ils sont chrétiens ou pas. D'abord, on a une question, entendez-vous? Tout le monde qui se casse, c'est pendant que Dieu est casado. Indépendamment de quelle religion vous citez, qui est en direct, vous savez, non? Parce que c'est romain, nous casons, c'est. Quand la gente dit traditionnellement, nous, qu'est-ce que c'est nécessairement comme un bakongo faz, né?
ou paille de monstre, ou paille d'un monstre, c'est sentir juntos, né? Os tios, qualquer coisa assim, vão pôr-nos ver juntos, aí está o casamento. Tata, Cristiano, tata, voz, se tu me dê, traduz, s'il te plaît. Il vient de dire que si, éventuellement, si les deux parents, ceux du garçon et ceux de la fille, se mettent d'accord pour que les enfants se marient, et ben, s'ils s'assient, boivent un coup pour célébrer ça, ben, à ce moment-là, là, il y a un mariage. Voilà, donc, voilà, merci beaucoup. Bon, façon, je dis que ce n'est pas nécessairement de faire les choses comme les Bakongo. Bon, vous n'êtes pas obligé de suivre la tradition Bakongo d'Ivoire. Mais quand on dit la formule, les étapes là, les bancondes, tout ça, les casés là, c'est le Bakongo. C'est nous, on sommes Bakongo, c'est pas un problème. Même si vous n'êtes pas Mukongo, aussi longtemps qu'il y a un papa et maman, et le deux côtés, l'oncle maternel, au niveau même isolé, si vous décidez que, ok, allez vivre ensemble de ma fille, avec ton fiancé, c'est ça le mariage, hein? C'est bon, hein? C'est ça le mariage devant Dieu. Maintenant, ok, je ferme là. Je mets un point très. Je ne vais pas continuer de parler, sinon on ne va pas de l'autre côté là. Parce qu'il y a Yakato Fanda. Ça, c'est pas connu par le Dieu. Le Seigneur. Ok. Yanga Lagoa, tout ton de tata André. Ma vie, petit ton de l'état. Yanga. Tout on de les nanga fois deux fois pour ce que bon tekele tout on de les ok tu kunda ya makonzo nengwa te mokoto ko nengwa makese ah yambula oh aussi ma belle la prochaine fois on va faire ce que makese nengwa makese a fait on va pratiquer le comment on fait le makonzo qui nzonzi hein. Ne manquez pas. Aqui estamos para seguir. É o que estamos aprendendo, não? Para dar continuidade. Tu e a Gambote. Tamo aqui. Aquele estresse do Mai. Manda vir. Nous sommes à Tiangot. Yo.